Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Calendrier de l'Avent, les vidéos passent et je suis toujours excitée à l'idée d'ouvrir de nouveaux calendriers avec vous. Mais avant ça, je voulais vous parler bijoux, puisque la marque Who We Are, qui propose des bijoux fabriqués en France, en plaqué or ou en argent massif, m'a proposé il y a quelques semaines de m'envoyer des bijoux pour découvrir un petit peu leur univers et de vous en parler si jamais ça me plaisait. Et comme je suis convaincue, eh bien, je vous en parle dans cette vidéo. J'ai choisi sur le site deux bijoux différents. Alors je suis beaucoup plus bijoux doré qu'argenté, donc j'ai choisi deux références dorées. Tout d'abord ce collier qui est à la fois très simple et très élégant, très efficace, il se suffit à lui-même, mais on peut aussi le porter en accumulation. C'est la référence sympa si jamais ça vous intéresse. Et j'ai aussi choisi cette très jolie bague qui s'appelle Vaillante, il me semble. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos. Qui est vraiment dans l'esprit des bijoux anciens avec une pierre au milieu et que je trouve vraiment très très jolie. Petite précision pour la bague, j'ai pris une taille au-dessus de ma taille habituelle, pensant pouvoir la mettre à mon majeur, et elle est trop petite pour mon majeur. Donc si jamais c'est quelque chose que vous voulez aussi faire, n'hésitez pas à prendre une ou deux tailles au-dessus. Et puis autre chose qui m'a énormément plu dans la philosophie de la marque, c'est qu'elle reverse 0,50 centimes à une association pour toutes les ventes réalisées. Donc ça paraît peut-être pas énorme comme ça, mais je vous assure que mis bout à bout, c'est toujours hyper intéressant et ça permet de se faire plaisir en faisant une bonne action. Et en parlant de se faire plaisir, la marque m'a proposé un code promo de 20% pour vous, donc il s'affichera juste là et vous le trouverez aussi en barre d'infos. De quoi se réconforter en ces périodes un petit peu compliquées ou commencer les cadeaux de Noël. Voilà pour ça, je vous propose maintenant de passer à ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, à savoir le calendrier de l'Avent blissime qui est énorme et qui se situe juste ici. Pour celles d'entre vous qui ne seraient pas au courant, la marque Birchbox est devenue récemment blissime. Alors elle propose toujours le e-shop et toujours l'abonnement de box. Mais cette fois-ci donc on a le calendrier de l'Avent blissime, il est super joli, il n'est pas très très Noël, ou du moins on retrouve pas les couleurs habituelles de Noël. Celui de l'année dernière était vraiment très beau aussi dans les tons de bleu. Et il se présente donc sous forme de cases à ouvrir. Voilà. Très très grand. Tadam ! Alors évidemment à l'intérieur on retrouve le descriptif des produits, on ne va pas se spoil, ou du moins pas tout de suite puisque vous connaissez le principe des unboxings, nous allons ouvrir toutes les cases du calendrier. C'est parti, je suis joie comme d'habitude avec la case numéro 1. Voilà comment ça se présente, les cases sont assez grosses et comme ce sont des cases à ouvrir, on peut les réutiliser si jamais ça vous intéresse les années suivantes. Donc on y va. Ah, on commence par un vernis à ongles de la marque Nailmatic. Donc c'est un vernis qui est biosourcé, vegan et made in France. C'est une marque que j'aime beaucoup. Et en termes de couleur, on est sur une espèce de grenat avec des paillettes dorées. C'est assez joli, c'est la teinte Yel. Et c'est un full size, donc on commence très bien. Ouh ! La case numéro 2 est toute légère, on dirait qu'elle est presque vide. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un masque peut-être à l'intérieur, un masque patch? Oui, ça a l'air d'être ça. Alors c'est un masque pour les lèvres, le packaging est super joli, utilisable une seule fois donc, avec de l'acide hyaluronique qui permet de probablement nourrir et peut-être apporter un peu de volume à la bouche, alors sans finir comme certaines célébrités de la télé-réalité, n'est-ce pas? Mais pourquoi pas, je ne suis pas persuadée de l'efficacité du produit, mais je trouve que c'est le genre de petit produit sympa à utiliser entre copines lors d'une soirée pyjama ou en visio pendant le confinement, n'est-ce pas? Donc pourquoi pas. Case numéro 3 qui est juste là. Alors nous avons un fard à paupières. Alors une boîte. J'ai fait tout tomber. Une boîte dans une boîte. Donc c'est un fard à paupières de la marque Floss. Je ne connais pas du tout. My Everyday. Et c'est la teinte Tokyo. Donc jamais testé sur les animaux. Ça c'est toujours bien de le préciser. Et c'est un fard mono. Je pense que c'est un full size aussi. Alors je n'ai pas du tout regardé si le calendrier de l'Avent ne contenait que des full size ou pas. Je ne pense pas. C'est un très joli fard à paupières dans les tons de rose irisé et je pense que ça c'est le genre de couleur qui conviendra au plus grand nombre, donc très très bien. On passe à la quatrième boîte.
qui renferme, ah donc là non, c'est une miniature, donc il n'y a pas que des full size dans le calendrier, de la marque Baija. C'est le miel caramélisé, donc c'est une crème pour le corps en format 25 ml. Alors j'adore la marque Baija, je vous ai d'ailleurs écrit un article sur la gamme au Monoï sur le blog, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Maintenant, je me souviens avoir eu cette crème pour le corps déjà plusieurs fois dans mes box, donc je pense que celles qui vont le retrouver là seront peut-être un peu déçues, mais ça reste un très bon produit qui sent extrêmement bon, le miel caramélisé c'est très gourmand et c'est un vrai réchauffe-cœur pour les périodes un peu froides comme en ce moment. Numéro 5 qui se présente comme ça et qui est assez lourde pour le coup, c'est un gel hydroalcoolique. D'accord, alors là je ne m'y attendais pas du tout. Très bien, et eh bien écoutez, c'est un gel hydroalcoolique de La Roche-Posay en format 75 ml sans parfum. Alors bah, j'ai envie de dire que c'est pratique et que j'aime beaucoup La Roche-Posay. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'avoir ça dans mon calendrier de l'Avent beauté? Non, hein, sans façon, mais bon. Puisqu'il est là, on va l'utiliser et pour le coup ça me permet de le découvrir parce que encore une fois La Roche-Posay est une marque que j'aime beaucoup. Mais je pense qu'on aurait pu trouver un peu plus sexy là quand même pour le coup. Case numéro 6. Il y a à l'intérieur un... Je suis en train de casser vos oreilles, désolée. Il y a à l'intérieur un recourbe cils. Alors la couleur est très jolie, vous savez que j'aime les couleurs pastel plus que tout. Et cette fois-ci c'est une couleur un peu mint. Et je trouve que c'est une bonne idée de mettre un recourbe cils dans un calendrier de l'Avent, puisqu'on n'a pas forcément ce genre d'instrument de torture à la maison. Donc ça permet de découvrir et ma foi pourquoi pas. Case numéro 7. Ma passion c'est de faire ça avec toutes les cases. Alors... nous avons... ah, un dentifrice. Ok. Alors, en miniature, je pense, de format 15 ml. Et je suis très contente parce que c'est la marque Love Beauty and Planet qui est, je crois, vendue dans les grandes surfaces et que j'avais vraiment envie de tester parce que j'en ai énormément entendu parler. Et c'est un dentifrice naturel à la fleur d'oranger et au charbon. Donc ça ne me fait pas du tout peur parce que j'ai l'habitude d'utiliser des dentifrices bio ou naturels et celui-ci est composé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça, j'ai bien hâte de le tester et je vous en reparlerai sur Instagram. Case numéro 8. Alors, c'est un tube, c'est une crème de jour protection globale de la marque Rennes. Alors la marque Rennes, si vous ne la connaissez pas, c'est une marque qui est spécialisée dans les soins anti-pollution, etc. Et qui propose de très très bons produits. Celui-ci est pour les peaux sensibles. Eh bien écoutez, pareil, je ne connais pas, donc à tester. On passe maintenant à la case numéro 9. Alors c'est une crème hydratante pour peau heureuse avec un trop joli packaging qui me rappelle, vous savez, les tentes qu'on a sur les plages en été, c'est hyper chouette. C'est la crème imparfaite, je ne sais pas si je l'ai dit, et c'est un format 30 ml avec 96% de produits d'origine naturelle. Pourquoi pas, crème hydratante pour peau heureuse. Alors je ne sais pas si c'est visage ou corps, appliquée le matin sur une peau propre et sèche. Je pense que c'est une crème pour le visage. Oui, visage et cou. Eh bien écoutez, parfait, je vais la garder pour l'emporter avec moi lors des prochains déplacements, même si ça n'est pas pour tout de suite, n'est-ce pas? Mais très chouette comme format. La case numéro 10... renferme un produit Amika qui est un masque nourrissant. C'est le masque Soul Food. Alors Amika, c'est une marque capillaire que j'adore. Les produits, et d'ailleurs ça sent à travers le packaging, sentent hyper bon. J'ai déjà reçu plusieurs références dans mes box, mais jamais celui-ci. C'est un masque nourrissant. Je crois que je l'avais acheté en full size il y a des années et des années et que je l'avais beaucoup aimé. Donc trop contente qu'il y ait cette marque dans le calendrier et trop contente que vous puissiez la découvrir aussi parce que les produits valent carrément la peine. Case numéro 11. Alors c'est ici un... qu'est-ce que c'est? Olive oil, ah c'est un savon, donc à l'huile d'olive, au chia et à l'avocat, donc qui se présente dans un petit emballage pour qu'il ne fonde pas j'imagine. Donc c'est une miniature de savon, c'est adorable, on dirait les petits savons qu'on a, vous savez, à l'hôtel.
Ça sent très bon et je pense que c'est un produit assez naturel, fait à la main, il n'y a pas la composition. Donc je pense que la liste d'ingrédients figure presque sur le packaging, je pense que quasiment rien n'a été ajouté. Et bah écoutez, ça j'en aurai forcément l'utilité, donc pourquoi pas. Et ça permet de varier un petit peu aussi le type de produit. Numéro 12. Alors, c'est un exfoliant naturel au sel de Guérande pour le corps de la marque Aqua Hero, qui se présente dans un format de 30 ml. Donc pareil, idéal pour emporter, idéal pour tester et découvrir la marque que j'avais testée dans une de mes boxes et que j'avais bien appréciée. Donc écoutez, pourquoi pas. Et on a déjà fait la moitié de ce calendrier, on continue avec la case numéro 13 dans laquelle je découvre un soin des mains, Apicia. Alors Apicia c'est aussi une marque que j'aime beaucoup qui fait des packagings hyper jolis avec la référence au nid d'abeille. Et je ne connais pas leur crème pour le main, j'ai essayé plusieurs de leurs produits, notamment le blush que j'aime beaucoup. Donc très contente de découvrir ce nouveau petit produit que l'on a dans un format de 20 ml. Donc très chouette pour pouvoir tester et à glisser dans le sac à main. Case numéro 14. Alors, si... le produit est comme ceci et si les couleurs ne me trompent pas, je pense que c'est un soin Moroccan Oil. Est-ce que j'ai raison? Oui. Ça va, je fais mon travail de blogueuse. C'est un soin, donc c'est une huile pour tous les types de cheveux et ça aussi c'est un produit que je connais puisque la marque me l'avait envoyé il y a des années. Il en suffit de très peu pour prendre soin des cheveux. Je mets l'huile moi pour ma part sur mes longueurs et ça permet de les protéger et d'avoir un très joli fini. Et pareil, l'odeur est hyper agréable. Donc format 10 ml mais autant vous dire que vous en avez pour un moment. Boîte numéro 15. Dans la 15e boîte, on retrouve les Rolling Heels, des élastiques qui n'abîment pas les cheveux. Vous savez, ce sont les petits élastiques en plastique qui reprennent leur forme après plusieurs utilisations. D'ailleurs, petite astuce, si jamais les vôtres sont trop détendus, vous pouvez les mettre dans l'eau chaude et ils redeviennent un petit peu plus serrés. C'est des élastiques que j'utilise au quotidien. Alors là, la couleur est très flashy, donc ce sera plutôt pour la maison ou pour le sport. Mais encore une fois, c'est une très bonne idée de les faire découvrir parce que ça, c'est une petite révolution, surtout quand on a, comme moi, les cheveux fins et bien cassants. On passe à la case numéro 16. Dans laquelle se trouve un spray d'oreiller que je connais aussi pour l'avoir reçu cette fois-ci dans une box. C'est un spray d'oreiller relaxant de la marque It Works. Ça sent super bon, je pense qu'il y a de la lavande à l'intérieur, je saurais pas vous dire, mais il me semble que oui. Oui oui, il y a la lavande et ça c'est vraiment le type de produit qui est hyper bien si jamais vous êtes quelqu'un de stressé. On vaporise et tout de suite ça nous met dans de bonnes conditions pour dormir. Donc pourquoi pas. 17. Une autre marque emblématique, je trouve, des box et que j'ai aussi beaucoup appris à connaître grâce à la Birchbox, donc maintenant à la Blissim, c'est la marque Polar. Et cette fois-ci, on a la crème revitalisante Nuit Polaire aux algues boréales. Et je crois que celle-ci a une texture tout pilou pilou. Alors, je vais juste regarder. Déjà, elle sent très bon. Ouais, elle sent très bon, elle est fermée, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas mal de produits en cours. Mais si c'est celle à laquelle je pense, la texture est hyper agréable, un peu chantilly. Et de nouveau, c'est un produit qui contient 95% d'ingrédients d'origine naturelle pour celles que ça intéresse. Et c'est un format de 15 ml. Donc on a plusieurs crèmes pour le visage, mais on a à la fois des crèmes de jour et des crèmes de nuit, donc ça c'est pas mal. On passe à la case 18 qui est très lourde. Qu'est-ce qu'elle renferme ? Alors un masque, je pense de nouveau, assez rigolo, c'est un body wrap masque corporel à l'argile. Alors ça j'ai hâte de tester, autant vous dire que ma salle de bain va se transformer en institut de beauté. C'est la marque 417 qui fait ça, alors je pense que ça doit se dire peut-être en anglais, Absolute Mud, ouais donc trop drôle. Alors ça, pure curiosité, j'ai vraiment vraiment envie de tester et c'est hyper satisfaisant d'appuyer comme ça sur le produit. On passe maintenant à la 19e case qui renferme un gant de la marque Glove. C'est un gant démaquillant réutilisable. Pareil, il y a des années, je vous avais écrit un article sur le blog sur la marque Glove, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Et ça permet en fait de se démaquiller uniquement à l'eau.
Alors je sais, moi aussi j'étais très sceptique au départ, mais je vous assure ça fonctionne pour tous les types de peau évidemment, et c'est une marque qui propose des produits vegan et cruelty free, donc ça c'est très chouette, surtout que ça a l'air d'être un gant qui est assez grand, il fait toute la taille du sachet, je vais vous montrer, parce que j'en ai des beaucoup plus petits que ça, donc c'est quand même un chouette format. Hop, le voilà sorti, vous voyez c'est quand même un grand format qui fait office de gant de toilette et qui est tout. Hyper agréable, donc ça très chouette parce que ça permet de découvrir encore une fois quelque chose que l'on n'aurait pas forcément acheté ou que l'on ne connaissait pas forcément. Je précise quand même qu'il faut pas avoir du waterproof hein, sinon ça marche pas. On passe maintenant à la 20e case qui est juste là et qui renferme un produit de la marque Saev, qui est une marque que je ne connais pas, enfin que je connais de nom mais que je n'ai jamais testé. Donc je suis ravie de découvrir le sérum botanique nuit micropile peau neuve. Donc ça permet apparemment d'apporter de l'éclat et d'exfolier un petit peu j'imagine très légèrement la peau lorsqu'elle se repose la nuit. C'est pour tous les types de peau et j'aime énormément ce petit format. J'ai cru que c'était un contour des yeux ou un baume à lèvres. C'est vraiment joli et c'est un format de 12 ml. Donc il y a quand même de quoi faire. Dans la boîte numéro 21, il y a un produit Garencia qui est le diabolique glaçon gelée cristalline en eau, qui est un format de 15 grammes avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors ça c'est un produit que j'ai utilisé cet été et que je vous recommande vraiment pour l'été parce que la sensation de fraîcheur est incroyable sur la peau. Donc je vais quant à moi le conserver précieusement jusqu'aux fortes chaleurs de l'été prochain. Mais très chouette produit aussi. Dans la case numéro 22, il y a un masque reconstituant à la kératine de la marque Brave New Hair. Donc c'est une marque que j'avais découverte à travers un highlighter pour le corps et les cheveux cet été il me semble. Et je suis très contente de découvrir une autre référence. Donc cette fois-ci c'est un masque pour les cheveux, pour qu'il soit instantanément plus souple et lisse. Alors je pense que, bon j'ai quand même passé un petit coup de fer, mais j'ai le cheveu qui est quand même assez raide. Mais pourquoi pas, j'ai envie de voir ce que ça sent. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça sent très bon. Les produits capillaires, j'ai toujours envie de savoir ce que ça sent. Ça sent très bon, à tester. Case numéro 23. Ah bah, en parlant cheveux... On a un soin quotidien à la figue de Barbarie de la marque Chéri. Donc ça encore c'est une marque que j'avais découverte grâce au blog il y a un ou deux ans, qui fait ses produits made in France et c'est une super marque. J'aime énormément cette gamme, j'avais eu le shampoing et le masque. Je n'utilise pas le soin quotidien puisque c'est un produit que l'on applique sur cheveux secs et qui a tendance pour moi à graisser un petit peu le cheveu, donc je préfère appliquer une huile sèche. Mais c'est une gamme qui est super et je pense que c'est une bonne idée de l'avoir mise dans le calendrier et de la faire découvrir. On arrive maintenant à la dernière case qui est assez grosse. Elle se présente comme ceci et je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Vous me connaissez, je réclame toujours un peu de maquillage pour les dernières cases des calendriers. Donc on va voir tout de suite. Fin du suspense. Ouh ! Eh bien écoutez, j'ai été entendue. Je m'attendais pas à ça. Trop chouette. Nous avons une palette d'enlumineur visage et yeux de chez Kat Von D. Alors ça c'est génial pour deux raisons. D'une part, je n'ai jamais testé les palettes Kat Von D. Oui oui, je vous assure. Et d'autre part, franchement avoir une palette le 24 décembre, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Moi je pense que ça y est, Blissim, vous m'avez entendu. Enfin, après des années à avoir demandé des palettes et du maquillage dans toutes les cases 24 des calendriers. Voilà, c'est la première année que j'ouvre le calendrier de l'Avent Blissim. Et bah, je suis très contente. Donc on a une petite palette qui se présente comme ceci. Alors les couleurs vont pas bien ressortir à la caméra puisque ce sont des highlighters assez pâles dans des teintes pastels. On a un petit vert, alors évidemment ce ne sera pas vert sur la peau, mais avec des sous-tons verts, un violine, un bleu et un rose. Eh bien, je suis ravie et j'ai hâte de tester ça.
Eh bien écoutez, bilan de ce calendrier, je trouve qu'il y a une grande variété de produits. On a à la fois du soin, du make-up, on a des produits pour les cheveux, pour le corps, pour le visage, donc ça c'est très chouette. Je pense que si vous êtes comme moi abonné à la Blissim, eh bien vous allez reconnaître certaines marques et certains produits. Mais ça permet aussi de découvrir d'autres produits, des marques qu'on connaît déjà, je sais pas si vous me suivez jusque là. Et si vous n'êtes pas abonné à la Blissim, ça vous permet d'avoir un bon échantillonnage de tout ce qu'ils proposent sur leur e-shop, parce que le e-shop est quand même particulièrement riche et j'aime beaucoup m'y promener. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'attends vos retours et j'attends que l'on puisse papoter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous fais plein de gros bisous. Ciao !